Internautes, bonjour et bon sabbat. C'est avec beaucoup de plaisir que nous ensemble pour nous découvrir la parole bon Dieu. Moi j'espérais qu'il a que Dieu t'était sa parole là pour une parole édifiante, encourageante et pour aider chacun de nous à avancer dans notre cheminement chrétien. En 1989, t'y a un monsieur qui s'appelle David Walsh, qui t'y a une entreprise qui s'appelle Brand X. Et le but de son entreprise, c'était découvrir de l'or. Et en 1997, il fit acheter une grande portion de la terre pour, dans l'Indonésie pour faire une fouille pour guetter s'il y en a de l'or. Et là, ce qui pour arriver, c'est qu'il ben, il trouve une découverte, un échantillon. Et quand il fait un test, ben, il estime qu'il dans cet endroit-là, pour gagner plus de 4000 tonnes d'or. Et cette découverte, pour la plus grande découverte
d'eau de toute l'histoire. Ça, il finit prend une dimension effrénée et le coût de la bourse de cette entreprise, il final a une explosé. Tout dit monde type cause, tout ban expert type cause de cette découverte en termes d'eau. Alors qui pâti encore tire un gramme d'eau de cette mine. Et quelques années plus tard, ben là pour avoir découvert le pot rose, qui jamais tient de l'eau dans cette mine, et c'était un plus grand arnaque de l'histoire. Plus de 100 millions de dollars, David Walsh, in fin fair, sur la tête de tout ce bandimouna, lié avec ce ban associé. C'est pour vous dire que bien souvent, juste avec une rumeur, juste parce qu'il y a l'assurance dans quelque chose, nous capables retrouvent nous tombe dans une pièce. Parce qu'ils nous pensaient que nos systèmes tellement bien établis, qu'il nous a l'assurance qu'il n'en est pas cave arrive nous. Dans Mark le chapitre 13, il y a une histoire qui est intéressante. Et moi, envie de découvrir ça avec moi. Mark le chapitre 13, à partir du verset 33. Juste avant au verset 1er, Jésus est cause avec ce ban disciple. Et arrive un moment, ce ban disciple pour dire lui, Jésus, est-ce qu'il te trouve la grandeur de ce temple? Est-ce qu'il te trouve la magnificence du temple de Jérusalem? Et là, Jésus pour décrire les événements de la fin des temps. Et juste après, au verset 33, il peut dire, prenez garde, veillez et priez. Et aujourd'hui, moi, tu as envie de dire à toi, prends compte. Comment Jésus peut dire ici, prenez garde, il peut dire, prends compte. Prends compte des bons événements qui peuvent arriver. Au verset 33, prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous le dis à tous. Veillez. Jésus, tu peux mettre en garde ses disciples. Parce que les disciples tiennent l'assurance que notre système était un système qui sécurisait. Notre système d'adoration, notre temple, n'en est pas capable, arrive notre. Et là, Jésus peut dire à nous, pas croire, faire attention, mais mettez-nous en garde. Et si nous guettons Marc chapitre 13, et là, plus de 5 fois, quand nous retrouvons cette mise en garde de notre Seigneur, au verset 2, il dit à Jésus, leur répondit, vois-tu ces grandes constructions? Au fait, il peut dire ici, regarde bien. C'est le même mot qu'il peut utiliser dans ce texte pour dire, prends garde, regarde bien. Regarde bien ces constructions. Il ne restera pas pierre sur pierre. Les choses qui nous croient avec assurance, alors qu'il n'est pas capable d'un expert, pareil comme en l'histoire de David Walsh, ben, tout le monde qui est expert dans l'exploitation de l'eau, il y a l'assurance qu'il y a plus de 4000 tonnes d'eau dans cet endroit. Et nous aussi, nous pensons parce qu'il n'y a pas de fondement, nous n'y a pas de croyance qui nous bien bétonné dans nos systèmes, qui n'en est pas carré nous, nos systèmes économiques, nos systèmes politiques, nos systèmes de familial, qui n'en est. Mais bon, dites non, prends garde, fais bien, bien attention. Au verset 5, encore une fois, Jésus pour dire, Jésus se mit alors à leur dire, prenez garde que personne ne vous séduise. Alors qu'il nous peut vivre dans un événement, hein, nous peut trouver les événements de la fin des temps, nous trouve les choses peut changer autour de nous. Nous peut tonne des bruits de guerre, nous peut tonne ban la guerre, nous peut trouve ban épidémie, nous peut trouve des choses qui sont bien, qui peut changer un petit peu la façon dont nous peut vivre. Et bon Dieu peut dire, prends garde. Parce qu'il y a une petite chose peut aller tellement vite. Et il y a toutes sortes d'hommes, et il y a toutes sortes de séducteurs, il y a toutes sortes de changements dans la vie qui peut aller tellement vite qu'il ne nous pas prépare compte.
Si dans ce chapitre, plus de 5 fois, le Seigneur dit à nous, guette bien. C'est un avertissement qui, dans sa bonne moment qui nous fait vivre là, nous besoin remettre nous en question. Nous peut besoin guette autour de nous qui peut arriver. Alors qu'il nous trouve des choses comme nous peut cause dans les temps actuels de vaccins, nous peut cause dans les temps actuels de la montée de l'essence, nous peut cause dans les temps actuels des guerres qui peut arriver, nous peut cause dans les temps actuels des événements climatiques. Mais est-ce qu'il nous peut prendre compte? Est-ce qu'il nous peut prendre compte qu'est-ce que la parole peut dire à nous? Et bon Dieu peut dire à nous, prends compte. Prends compte de quoi? L'important qu'il nous comprend. Prenez garde. Veillez et priez. Et il peut dire encore dans son texte, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise. Au verset 5, c'est quelque chose de très important. Nous devons prendre compte de la séduction. Et la séduction, c'est quelque chose, une définition de la parole, de la Bible qui dit, la séduction, c'est de se détourner de la bonne voie. Satan est le séducteur, ça veut dire qu'il détourne nous de la voie que le Seigneur, in fine, met devant nous. Prenez garde que personne ne vous séduise. Le verset 5 et le verset 6, il parle de ça. Quand plusieurs viendront sous mon nom disant, c'est moi, et vous séduiront. Nous vivons dans un monde aujourd'hui, il y a tellement de messages autour de nous. Nous pouvons vivre dans un monde aujourd'hui qui nous tape une question sur l'internet, nous gagne bonne réponse. Et quelquefois, nous tombons dans le piège facile de ces gourous. Nous tombons dans le piège facilement de ces gens qui sont influents pour détourner nous de la mauvaise voie. Pour donner un enseignement qui sont erronés, qui vont à l'encontre de la parole de Dieu. Prenez garde que personne ne vous séduise. Nous vivons dans un monde qui parle tellement vite qu'il nous peut perdre tout, nous ban repère. Et là, bon Dieu peut dire, nous ont dit, prends compte. Prends compte quand ban ap vini pour te séduire. Amène-nous loin de la vérité. C'est comme ça qu'il a versé un travail. Il peut venir, il peut détourner nous pour quelque chose qui est intéressant et faire nous croire que nous sommes capables d'aller dans sa direction-là. Il permet nous dans l'erreur. Le séducteur, il amène nous dans l'erreur. Et là, des fois, il même servit la parole. Si nous guettons le Marc 12, le verset 24 et 27, Marc 12, le verset 24, Jésus leur répondit, « N'êtes-vous pas dans l'erreur parce que vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. » Quelquefois même ça, ici c'était Jésus, tu peux cause ça du CR, tu peux dire, je ne peux pas comprendre, je te l'enseignement erroné, qui fait? Parce qu'il peut servir la parole pour défendre ça qui moi me croire. Alors qu'il bon Dieu peut dire à nous, faire attention. Prenez garde de ces séducteurs. La parole de Dieu, c'est pour nous édifier, pour nous rapprocher de Dieu. Et dans les temps de la fin, bon Dieu peut dire à nous, ça qui peut arriver autour de nous, bizarre, rapproche-nous encore plus de Dieu. Ne bizarre pas éloigne-nous de ce Dieu. Mais comment? Comment rester? Ne pas se laisser séduire. Ne pas se laisser aller dans l'égarement. Ne pas se laisser diriger le chemin qui n'est pas bizarre. Quand bon Dieu donne-nous la réponse toujours dans Marc 13, il peut dire au verset 34, il est comme dans un homme partant pour un voyage, laisse sa maison. Laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs. Ici, il montrait que ceux qui habitent dans la maison sont les serviteurs de Dieu. S'il nous dit qu'il nous est un chrétien, s'il nous dit qu'il nous l'a au service de notre Seigneur, s'il nous dit qu'il nous croit en Jésus-Christ, c'est que nous sommes ses serviteurs. Et en tant que serviteurs, nous trouvons quelque chose d'intéressant ici. Il dit à nous que Jésus donne autorité. Et dans le grec, quand nous guette ce mot, il dit que c'est la liberté de faire ce qui plaît. Bon Dieu donne la liberté à ses disciples de faire ce qui plaît. Pouvoir de choisir, liberté de faire ce qu'il a envie. Il donne la permission. Le maître de la maison y aller, il quitte cela avec ses serviteurs. Alors, nous trouvons ça dans Marc 6, verset 7. Il appela les 12 pour donner autorité sur les esprits
impurs. Il donne nous un travail. Donc Jésus, il donne nous une fonction pour ne pas se laisser séduire, pour ne pas se laisser aller dans l'égarement, pour faire attention, pour prendre compte. Dieu nous a donné un travail. Bon Dieu, il montre nous qui nous peut bien faire pour ne pas tomber dans ce piège. Quand nous au service de notre Seigneur, nous pour éloigner nous de ces choses néfastes. Et là, nous trouvons bien que le maître de la maison lui donne autorité de faire ce qui plaît. Il donne autorité, la liberté de faire ce qui plaît. Moi, j'ai envie de dire aux autres ce matin quelque chose d'important. Quand nous comptons nous bondier, nous faisons tout pour lui plaire. Parce qu'il nous compte en travail. Le serviteur, il aime travailler pour Dieu. Le serviteur, il aime être au service de Dieu. Il dit, il est comme un homme laissant sa maison. Et là, il faut dire, veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou le matin. Encore une fois, Dieu peut dire à nous, pas dormir. Veillez. Si nous guettons le mot veiller dans ce texte, nous voulons apparaître plus de 5 fois. Veillez, prenez garde, veillez. Et sa première veillée au verset 33 là, elle est bien importante. Quand il peut dire ici, il donne dans un sens de la négation. Si nous tenons pour rétraduire, il peut dire prenez garde, pas dormir. Prenez garde, pas dormir. Tu bisais prier. Et comment ne pas dormir? C'est en étant au service de notre Seigneur. Parce que ce que le diable envie faire avec nous, c'est qu'il envie endormir nous avec la séduction. Fais-nous perdre nos bons repères. Et là, il veut dire veiller. Veiller pour ne pas tomber dans le sommeil. Parce que quand nous refuse l'autorité de notre Seigneur, ça veut dire faire ce qui lui plaît. Faire ce qui plaît, servir à Dieu, qui est arrivé, nous rendre dans une léthargie. Nous pouvons attendre nous sur la séduction, comment il est facile d'être séduit, parce que l'adversaire fait beaucoup de choses pour nous séduire. Moi, pour donner un exemple, alors que tout le monde nous peut dire voilà, viens faire vaccin ou pas faire vaccin. Mais quelquefois, quand nous réalisons que c'est pas le vaccin qui peut changer mon la foi, c'est pas le vaccin qui peut changer mon attitude, c'est pas le vaccin qui peut faire moi morse ou pas morse avec mon Dieu. Et c'est ça, c'est une tactique de Satan pour nous éloigner de ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, ce n'est pas le vaccin. Ce qui est le plus important, c'est la foi avec mon bon Dieu. C'est sûr qu'il y a un côté de sécurité et de la santé dans cette chose. Mais ce sont des tactiques de Satan pour nous éloigner de Dieu. Nous n'avons besoin de garder nous la foi. Pas dormir, travaille pour le Seigneur. Et l'adversaire, il y en a un gros marmite. Un gros marmite, je connais l'histoire, hein, je prends un gros marmite et je mets un Dixie, comme on nous dit en créole, et là, mets de l'eau là-dedans. Après, prends 2-3 crapauds, mets dans sa marmite-là, dans sa Dixie-là. Et qui m'a dit, ben là, Alim, un diffé en bas sa Dixie-là. Et le crapaud-là qui est arrivé, il y habitait dans sa température-là, il nasait là-dedans, il y habitait, il tigit. Il n'a pas réalisé que de l'eau là peut bouillir en bas. Et c'est ça la méthode qu'il a versé à sa vie. Il peut mettre diffé en bas sa dexila et de l'eau là peut bouillir. Et je connais qui est arrivé à la fin. Souvent, on dit croit que quand de l'eau là peut bouillir, ben crapaud là pour capable sortir parce que de l'eau là est trop chaud. Mais malheureusement, ce n'est pas ça qui est arrivé. Ce qui est arrivé, c'est qui? Bana mort. Parce que c'est la tactique de l'adversaire. Nous séduire pour amener nous petit à petit à perdre la vie. Et c'est pour ça que Jésus dit à nous, ce matin, prenez garde. Prends compte que personne ne vous séduise. Prends compte. C'est le message qu'il peut dire à nous. Veillez, pas dormir. Quand nous disons le premier veiller, c'est veiller, ça veut dire et pour ne pas dormir. Ensuite, il dit au verset 34, au verset 35, au verset 37, encore une fois qu'il y servit, veillez, veillez donc. Au verset 37, veillez. Ici, il peut dire
prends position. Lève-toi. Ça veut dire sois actif. Sois au service de Dieu. Sois sous l'autorité. Le maître de la maison, il quitte l'autorité à ses serviteurs. Sois là pour le servir. Sois actif. Sois au service de ton Seigneur. Quand il pèse à toi, veillez, c'est un bizarre travail pour ton bon Dieu. C'est comme ça qu'il nous pour évite nous de tomber dans la séduction. C'est être au service de notre Seigneur. C'est ce qui m'a bon Dieu. C'est ce qui bon Dieu peut dire à nous ce matin. C'est ce qui Jésus. Il dit à nous pas base, nous, quelque chose qui ban système de l'homme. Non. Base nous si c'est la parole du Seigneur. Il est comme d'un homme laissant autorité et il dit à tous ses serviteurs de travailler. Et il vous donne encore une fois une ode de Jésus. Une implication de l'ode de Jésus. Il vous dit, prenez garde, veillez. Et prier. À chaque fois qu'il manque une service, ce mot de prière, à chaque fois, proschomai, c'est là qu'il est en grec, à chaque fois qu'il manque une service, ce verbe de prier dans son évangile, c'était en relation avec Jésus. 11 fois manque service ça dans son évangile. Pour lui dire que Jésus prier et Jésus ordonne à prier. Jésus non seulement dit à nous prier, mais Jésus donne nous l'exemple de la prière. Jésus qui prie et Jésus qui demande de prier. Matthieu lui utilise ce mot 14 fois et demande de prier et il dit à nous que Jésus aussi prie. Ce matin, nous trouvons que bon Dieu peut mettre nous en garde. L'Ibédia nous prend compte, le temps est proche, le temps de la fin est proche, sa venue est proche, prends compte. Pas laisse-nous détourner du mauvais chemin. Et comment pas pour laisse-nous détourner en nous mettant à son service, quand nous passe les temps dans ce parole. Et aussi ce qui est important, c'est de prier comme le Seigneur in fine prier. Pas laisse-nous gainsommer quoi qui le temps pour venir, comme le serviteur, quand alors la parabole des talents, quand ce serviteur paresseux, qui Jésus dit celui qui était paresseux, quand il prend le talent, il finit à cacher lui, pensant qu'il tension son maître perdit. Il dit ben te batika mettez dans la banque pour les capables fructifier. Pour évite-nous de tomber dans l'égarement, pour évite-nous de tomber dans la séduction, pour évite-nous pour venir commencer avec un crapaud qui dit dans sa dexila, que de l'eau une bouine perdit la vie. Bon Dieu peut dire à nous qui nous capable à son service, qui nous capable travailler pour lui. Et qui nous capable passe les temps dans la prière. Ça a montré l'importance, cher ami, de prier. Être au service de notre Seigneur avec autorité, c'est de faire ce qui lui plaît. Un serviteur en Jésus-Christ est un serviteur libre. Un serviteur en Jésus-Christ est un serviteur qui prie. Un serviteur en Jésus-Christ et un serviteur qui répond à l'appel de notre Seigneur. Mes chers amis, alors que le monde péal à la dérive, alors que Satan utilise toutes sortes de séductions pour nous détourner du droit chemin, peut détourner nos regards de ce qui est le principal. Le principal, c'est le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand bon Dieu puis envie ce matin, bon Dieu puis envie aujourd'hui, que chacun de nous nous prend position pour lui, pour nous commence prier, nous commence venir à son service, qui nous prend cette décision pour nous détourner de la séduction. Ce matin, notre Seigneur peut dire à nous, prends garde. Prends compte, cher ami, prends compte. Quand il y a une petite chose qui peut arriver dans sa limona, qui peut détourner nous du droit chemin. Mais ça manque quelque chose qui peut arriver là, besoin rapproche-nous de notre Seigneur. Parce qu'il ne nous a pas oublié que notre Seigneur, il donne nous autorité. Notre Seigneur, il laisse nous libres. Notre Seigneur peut dire à nous qu'il nous capable de venir à son service. Il peut lancer l'appel ce matin. Il peut dire, debout, là que tu étais debout. Prends compte, quand le temps de la fin est proche, et commence à prier, passe le temps dans la prière, quand notre Seigneur lui-même, in fine, montrez-nous l'exemple. Priez pour qu'il nous capable de venir un serviteur, nous capable de venir un serviteur que Jésus a confié une tâche.
pour nous capables de vivre un serviteur fidèle qui servit notre Seigneur. Le Seigneur n'a pas envie de quitter nous ce matin. Le Seigneur n'a pas envie de laisser nous dans ce monde côté là des guerres, dans ce monde côté là beaucoup de tapage, dans ce monde côté là beaucoup de séduction. Mais bon Dieu, il donne nous les moyens ce matin. Il dit à nous, prends compte. Prends compte de ce qui peut arriver autour de toi. Pas d'oumi. Pas laisse-toi détourner. Mais mets-toi au service du Seigneur. Et passe les temps dans la prière. C'est seulement dans sa manière-là qu'il nous est capable d'être des fidèles et bons serviteurs. C'est le message qui bondit et n'a pour nous ce matin. Tout au fond de moi, je savais que tu étais toujours là. Près de toi.
nous courbe la tête pour la prière. Bon Dieu, Papa, qui est dans le ciel, alors qui te appelle nous ce matin, te fin met nous en garde, te pédia nous faire attention de tout ce qui peut passer autour de nous. Pas laisse sa petite chose à distraire nous du but. Pas laisse sa petite chose à Père éloigner nous de toi. Mais qui sa petite chose qui peut arriver autour de nous là, Papa, rapproche nous encore plus de ta parole. Fais nous comprendre que nous sommes tes enfants, que nous sommes tes serviteurs, qui nous l'a pour servir toi. Qui nous l'a, Père, parce qu'il te fin de nous autorité, te fin de nous le choix, te fin de nous la liberté de faire ce qui nous plaît. Et ce qui nous plaît, Père, c'est de te servir toi, le grand Dieu Tout-Puissant. Et Père, alors que nous sommes à ton service, te Père, rappelle-nous aussi qui nous bisait pas laisse-nous endormis. Par l'adversaire, Père, tout bon moyen pour détourner nous du droit chemin. Et Père, un bon homme efficace aussi que te fin de nous, c'est la prière. Quand toi-même, tu ne fin montrer nous l'exemple, que prier. Tu ne priais, Père, dans les moments de tous les moments de ta vie, tu as toujours été en prière. Quand cela, in fine, de toi, pour surmonter beaucoup d'obstacles. Te fin de nous, c'est l'exemple-là, afin qu'il nous soit capable de suivre. Père, il est possible qu'ils aient dit à des gens qui peut écouter sa message, qui peut écouter lui, mais passe dans ma difficulté. Et qui sont capables de comprendre qu'il y a à travers la prière, qui sont capables de comprendre à travers le service, qui sont capables de comprendre quand je t'éloigne de tout ce qui n'est pas de toi et je marche dans le droit chemin, je suis capable de remporter la victoire. Permette, Père, qu'il est capable de faire cette expérience avec toi. Je demande toi, bénis chacun de nous. Au nom de Jésus, je prie toi. Amen.